Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc on est mardi. Là, je sors du travail, il est 16h43. Donc je suis rentrée tellement vite parce que j'ai reçu ma commande de mes emballages pour mes livraisons. Donc je suis trop contente. Et j'ai une commande à préparer de porte-clés et de dessous de verre. Donc je suis doublement contente aujourd'hui, donc je vous embarque dans tout ça. J'ai mes grands emballages, c'est trop bien, des cartons, boîte en carton blanche. Elles ont l'air trop bien. Elles sont grandes en plus, elles sont vraiment grandes comme sur la photo. Elles sont trop bien. Donc vous voyez, ça fait un emballage carton comme ça. Je vais essayer d'en faire un pour bien vous montrer. Ça fait un résultat comme ça. Elle est quand même assez grande la boîte. Donc c'est trop bien. J'ai commandé des boîtes plus petites. Des pochettes comme ça. Des petites. Des petits. Comment ça s'appelle? Des petits pochons comme ça. Pour les porte-clés. Ça, c'est le papier de soie, pareil pour emballer les colis, donc j'en ai pris plusieurs. Je pensais que j'avais pris du blanc. Bon, écoutez, j'ai pris du rose. Ça, c'est pour les porte-clés. Ça, pareil. Et là, du coup, c'est pour. Pareil pour les emballages. Des petites étiquettes comme ça. Donc, vous voyez, c'est écrit dessus. Thank you for supporting my small business. Désolée, mon accent est très, mon anglais est très mauvais. Donc j'ai pris un comme ça. Et après le reste, du coup, c'est des moules. J'ai pris d'autres moules. Et j'ai repris un petit nuage comme ceci. Pareil là. Et je me suis repris un moule comme ça quand je fais des. Quand je vais faire. Ah, c'était déjà ouvert. Bon. Quand je vais faire des dessous de verre et que je vais en faire plusieurs, donc voilà, j'ai repris un moule. Et pareil, ça. Donc voilà, toute ma commande. Je suis trop contente parce que mes boîtes, elles sont arrivées enfin. Et donc là, j'ai un maximum d'emballage pour l'instant. Ah mince, j'avais pas pris. Je viens de me rendre compte qu'il n'y a pas les. Vous savez, les petits. Comment ça s'appelle? Vous savez, pour remplir la boîte. Pour remplir la boîte avant de mettre les différents produits, quoi. Je pensais que j'avais commandé ça, mais j'ai l'impression que non. En tout cas, il n'y en a pas dans l'emballage. Donc, j'ai dû zapper. Bah, il va falloir que je recommande ça. Parce que sinon, la boîte va être un peu vide, quoi. Ou alors, j'essaierai de trouver une solution avec du papier journal. Après, ça fait écologique aussi, non? Papier journal coupé avec du ciseau. Ça fait des petites lamelles et puis ça peut faire le job, quoi. Vous en pensez quoi? Dites-moi en commentaire, vous en pensez quoi? Ça fait écologie, non? Enfin bref, je vais voir. Je vais ranger tout ça et je vais aller chercher mon matériel pour me mettre à la confection de ma commande. Je suis trop contente. J'aime quand j'ai du travail à faire. Donc, passez vos commandes. Les packagings sont là. Les produits sont là. Passez vos commandes maintenant. On n'attend plus que vos commandes. Hein. On a tout. On n'attend plus que les commandes. Donc, voilà. Je vais juste vous montrer là les porte-clés que j'ai fait au dernier vlog. Pour vous montrer le résultat. Donc, ça donne ça. Le résultat, donc ils sont déjà en vente sur le sur la boutique hein. Donc si vous voulez commander, allez commander. C'est les porte-clés, ils sont tous au même prix et tous en livraison gratuite de toute façon. Donc voilà.
Bon, ça y est, j'ai fini de faire ce que j'avais à faire aujourd'hui. J'ai super chaud. Il fait trop chaud. Donc là, on va manger. Il est 20h. On va manger en même temps que je travaillais. Je préparais le repas. Donc, je vous montre rapidement. Donc, on va manger ça. Moi, je me suis fait une petite salade ici. Et les enfants, ils ont ça à manger. Banane plantain, comment ça s'appelle là? Des nuggets. Lui, il voulait des légumes un peu. Elle voulait pas. Et puis voilà, on va manger. Et je vais me poser enfin. Je vais vous montrer rapidement ce que j'ai fait du coup. Donc voilà le résultat de ce que j'ai fait du coup. Ça, c'est un test. Je vous montrerai après le résultat. Et du coup, ce que ma cliente a commandé. Donc ça, la lettre S. Et les dessous de verre comme ceci. Donc je vais laisser le tout sécher. Il y a un peu de bazar ici, je vais nettoyer après. Là, je vais manger, j'ai trop faim. Donc voilà, je laisse sécher ça et je vous montrerai demain la suite. 2000 years later. Hello! Alors, on se retrouve aujourd'hui. Bon, c'est pas exactement le lendemain comme je vous ai dit avant. Là, on est 2-3 jours après, je sais plus exactement, mais on est quelques jours après. Donc voilà, les dessous de verre que j'ai fait du coup avec vous. Ils sont complètement secs. J'ai d'ailleurs fait dessus déjà le design que ma collègue elle voulait, ma cliente, pardon. Et au niveau du porte-clés, je l'ai déjà complètement terminé. Donc, je vous montre le résultat. Donc, elle voulait le porte-clés avec les feuilles d'or couleur argent. Ah, ça ne veut pas se stabiliser. Ah! Ah, ça ne veut pas se stabiliser. Donc, enfin bref, c'est un porte-clés comme ça, S en rouge et argent. Et j'ai décidé également de lui faire un petit cadeau comme ça, comme je sais qu'elle a un petit chien. Comme ceci. Donc, je vais le terminer, le petit chien, j'allais dire. Le petit collier, du coup, pour le chien. Je vais le terminer et du coup, je vais faire l'emballage pour les porte-clés. Et les dessous de verre, du coup, je vais couler juste la dernière couche de résine par-dessus. Et ensuite, je vais laisser sécher. Et puis, je ferai également le colis, quoi. Donc, voilà, je vous montre ça aujourd'hui. Ça y est, les pièces sont complètement sèches. Donc la couche que j'ai mis hier, elle a complètement séché. Donc là, on va pouvoir voir le résultat final. Trop, trop bien. Ça, c'est le moment que j'adore. Le moment du démoulage, c'est trop jouissif en fait parce que bah, tu as fait un truc et maintenant, tu vas pouvoir voir le résultat. Donc trop, trop bien. Donc là, je vais les démouler. Et ensuite, on va faire l'emballage de colis ensemble. Juste pour préciser, c'est pas les couleurs, c'est pas le drapeau de l'Ukraine, hein, ça n'a rien à voir avec l'Ukraine. C'est juste que, en fait, ma cliente, elle vient du Var, c'est une région en France. Et donc, elle voulait les couleurs du Var sur le design de ses dessous de verre, en fait, tout simplement. Et donc, les couleurs du Var, c'est le bleu et le jaune. Donc, voilà, ça n'a rien à voir avec l'Ukraine. Enfin, voilà. Donc on va pouvoir démouler ça. J'ai trop trop hâte de voir le résultat. Let's go, c'est parti.
J'adore ce moment. Mon tapis, il est un peu sale, mais ce sont les coulures, en fait, de la résine. Oh là là! Je vous montre déjà l'arrière, comment ça se présente. Trop, trop bien. Les couleurs, elles sont trop, trop belles. Waouh! Moi, c'est ce sentiment-là que j'adore. Oups là! Trop, trop bien. J'adore. Je vais démouler la grande pièce. Ah, celle-ci est toujours un peu difficile à démouler. Et en plus, ils sont bien, bien secs. J'ai essayé de faire l'effet un peu du coup du bleu qui coule sur le jaune. Donc voilà ce que ça donne. Je suis trop contente. Et donc ça va comme ceci. Allez, je démoule tout et on va regarder le résultat ensemble. C'est très joli, non? Vous en pensez quoi? J'aime beaucoup. J'étais un peu sceptique sur les couleurs, mais finalement, ça rend super bien. Trop, trop beau. J'espère que ma cliente va être contente. Allez, là, on va emballer tout ça. J'ai terminé d'emballer mes colis, donc c'est pour la même cliente les deux. Donc voilà, comme c'est une commande en remise en main propre, j'ai quand même fait l'emballage correctement, voilà. Mais voilà, je vais pas lui envoyer par la poste, donc je lui donnerai directement, je mettrai dans un petit sac et je lui donnerai directement en main propre. En tout cas, ça m'a fait plaisir de tourner cette vidéo avec vous. Si vous avez aimé aussi, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche. Vous savez déjà le tralala, quoi. Enfin bref. Et à commenter. Donc voilà, je vous dis donc à bientôt pour un nouveau vlog. Bisous à vous et bonne journée. Enfin, bonne journée ou bonne soirée. Je ne sais pas à quel moment vous allez voir cette vidéo. En tout cas, à bientôt.